En fait, je me suis rendu compte en faisant le premier essai de la voix off de ce vlog que j'avais plus grand chose d'intéressant à dire. Ben, c'est normal, je suis rentré de Madrid. Et à part vous montrer les produits que je me mets dans les cheveux parce que tout le monde me le demande, ou comment je m'organise en avance pour faire une soupe avant d'aller en cours, bah en fait, ma vie est assez lambda. Mange au Crous, bah oui, c'est plus rapide. Je prends le métro, un peu comme tout le monde. J'ai un petit studio parisien de 15 mètres carrés. Bon, le seul truc un peu bizarre que je fais, c'est que je mange très sainement. Et un autre truc qui sort de l'ordinaire, c'est que j'ai des cours d'acting. Et je fais tellement de choses que j'ai pas le temps de manger et que je suis obligé de me faire des pique-niques. Et même de réviser en mangeant. Ah oui, d'ailleurs, comme c'est des cours d'acting et pas de théâtre, bah, c'est souvent filmé et c'est intéressant pour ça. Là, je suis passé direct à vendredi matin où il faisait très très beau. Et je suis passé à mon agence Influx, pas parce que je devais travailler, mais parce que j'avais oublié mon chargeur. Et ensuite, j'ai fait mes courses. Midi, je suis allé à Terroir d'Avenir, une boulangerie que j'aime beaucoup parce que le pain est trop bon, pour me faire des sandwichs pour aller manger aux Tuileries. Un pote d'Allemagne de mes années licence est venu me rejoindre avec ma sœur et on a mangé tous ensemble. Après, je me suis posé au hall avec Fabian, je lui ai fait découvrir L'Art sans foutre de Mark Manson. Et il a lu comme ça, tranquillement, pendant que moi, je suis allé à la piscine. Et oui, pour faire du sport, faut sacrifier des après-midi avec des potes parfois. Mais bon, ça va, je les ai rejoints après pour faire une dégustation de vin. Bon, j'avoue, j'ai pris de la bière parce que je préfère de la bière. Ensuite, le soir, je suis rentré chez moi et ma sœur m'a fait un super repas et elle a même acheté du vin.